Puisque je te dis qu'il n'y a aucun risque. À partir de 7 heures du soir, plus personne. C'est du gâteau. Oui. Si c'est du gâteau, pourquoi tu veux me mettre dans le coup? Parce que, je te le répète, j'ai besoin d'un type qui sache jouer du chalumeau pour ouvrir le coffre. Rien que ça. Bon, d'abord, je ne saurais pas. Mon métier, c'est la soudure autogène. Rien de plus. Ça suffit largement, je me suis renseigné. Le coffre, c'est plutôt une armoire métallique. Rien de sérieux. En 3 coups de chalumeau, tu fais sauter la serrure. Mmh. Et derrière la serrure, qu'est-ce qu'il y a? Les 10 briques. Mmh. Ou rien du tout, hein? Non, mais pour qui tu me prends? Si je te le dis, c'est que j'en suis sûr. Comme 2 et 2 font 4. Ils paient leurs ouvriers à la quinzaine, le samedi. Et comme le samedi, les banques sont fermées, ils sont bien obligés d'aller toucher les fonds la veille. Faudrait donc faire le coup dans la nuit du vendredi. Ah, ça commence à t'intéresser, hein? Franchement, non, Fred, non. Toi, c'est pas mon genre, hein. Tu le sais bien. Je vois ça d'ici. Pauvre, mais honnête. Ouais, bah, chacun son goût, hein. Moi, je préfère chercher de l'embauche. Et t'es pas encore fatigué, hein? Ça fait 2 semaines que t'en cherches, et t'es pas le seul. Tandis que là, en moins d'une heure, t'aurais une petite fortune dans les mains. De quoi acheter un petit commerce. Avant-hier, Georgette... Laisse Georgette tranquille. Elle a rien à voir là-dedans, hein. Parlons-en, au contraire. T'as une femme mignonne comme tout. Tu devrais la dorloter, la bichonner, lui faire la belle vie, quoi. Mais ça me regarde. Et qu'est-ce que tu lui offres? Une vie de minable. Comment ça? Parfaitement de minable. Crois-moi, l'amour, ça résiste pas longtemps à ce régime-là. Eh ben ça, c'est une affaire entre nous deux. Au moins, ce que je t'en dis, hein. Garçon! Oui? La même chose. Ça marche. Tu remets ça? Non, merci. Je rentre. Comme tu voudras. Réfléchis quand même à ma proposition. Bonsoir, ma chérie. Oh, c'est toi. Bonsoir, mon chéri. Je t'ai fait peur? Qu'est-ce que tu faisais? Moi, je lisais. J'aurais juré que tu écrivais. Ah non. Non, non, je t'assure. Comme tu mens mal, ma chérie. Même si j'avais pas vu ton geste quand tu as glissé quelque chose sous ton journal, je n'aurais qu'à te regarder. Tu me caches quelque chose. Mais non, j'ai rien à cacher. Alors soulève le journal. Non. Je n'admets pas ce ton de commandement. Bon, Georgette, soulève ce journal si tu as la conscience tranquille. La conscience tranquille? Tu passes toute la journée dehors, alors tu arrives avec tes airs de gendarme et c'est à moi qu'on demande si j'ai la conscience tranquille. Tu veux détourner la conversation? Je veux savoir à qui tu écrivais. Pierre, tu le regretteras. Donne-moi ça. Mais non. Donne-moi ça. Une enveloppe, hein? Vous savez bien. Monsieur Grégoire, rue Suzanne Gallois, à Rouen. Non, Georgette, c'est pas vrai. Pierre, laisse-moi t'expliquer. Là, c'est tout expliqué. C'était un bon vieux, il appréciait mes qualités de vendeuse. Ne te monte donc pas la tête, mon chéri, nous n'avons jamais eu que des relations de travail. Tu parles. Mais tu te fais mal. Je vais te la montrer, la lettre. Non, j'en sais assez, ben. En plus, c'est ma faute. Pas foutu de nourrir ma femme. Je m'imaginais que tu pourrais te contenter de ça et que t'allais me rester à moi tout seul, même dans la dèche. Ou après tout, c'est normal. Hein. Mais lis dans la lettre au lieu de divaguer. Cher monsieur, je vous remercie de votre réponse. C'est bien volontiers que j'accepte la place de démarcheuse, aux conditions que vous m'offrez. Il me sera possible, comme vous me le demandez, de prendre mon service dès lundi prochain. Mais là, tu vois, c'était pas ce que tu croyais. Moi, je t'aurais tout expliqué avec des ménagements, mais toi, t'es si impulsif, tu t'emballes. Oui, ouais, maintenant, j'ai compris. Bah, tu veux me quitter. J'aurais dû m'y attendre. Mais ce que t'es agaçant. Pierre, cesse un peu de faire du mélo et laisse-moi parler, puisque tu es au courant. Bah, tu t'en vas, tu reprends ta liberté, tu sais, toutes tes belles paroles, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Mais je pars pas pour toujours. Enfin, tu comprends bien qu'on peut pas éternellement tirer le diable par la queue. J'ai une chance de nous en sortir, moi. Alors, je la saisis. Tous les samedis, je rentre à la maison. Mais, et moi, je continue, comme tu le disais si bien tout à l'heure, à passer toute la journée dehors. En attendant le jour de la paye. Le jour de ta paye. Tu crois que je peux accepter ça, moi? Mais puisqu'on n'a pas le choix.
Enfin, ça serait stupide de refuser pour je ne sais quel principe. Les principes, oui. Tu trouves normal pour une femme mariée qu'elle traîne partout dans la région avec sa valise ? À changer tous les soirs d'hôtel comme un commis voyageur, avec tout ce que ça comporte, de rencontre d'un soir... Jean-Pierre, tu es odieux ! Si je refuse cette aubaine, je ne la retrouverai pas de sitôt. Et puis malgré ce que tu insinues, je serai souvent à Rouen. Et moi ici, au Havre. Et à Rouen avec le vieux à tourner autour de toi. Oh. Ah ben non, moi je ne peux pas supporter ça. Mais pourtant c'est la seule solution. Ça dépend. Georgette, dis-moi la vérité. Si je trouvais un bon travail, du jour au lendemain, est-ce que tu la refuserais cette place ? Malheureusement, la question ne se pose pas. Réponds-moi. Est-ce que tu refuserais ? Pourquoi ? T'as quelque chose en vue ? Oui. Oui. Tu sais que Fred s'occupe de tas d'affaires, hein ? Alors, il m'a promis... Enfin, il m'a trouvé quelque chose d'intéressant. Bon, c'est d'accord, Fred. Je marche avec toi. À la bonne heure. Tiens, assieds-toi, mon petit vieux. On va arroser ça. Garçon! Oui? Deux pastis par ici. Tout de suite, monsieur. Bon, tout ce que je te demande, c'est qu'on fasse le plus vite possible. Samedi, c'est fin de quinzaine. Vendredi, ce serait donc parfait. Mais après-demain? C'est pas un peu vite, ça? Il s'agit de savoir ce que tu veux, hein, si t'es prêt à te dégonfler. Non, pas question. C'est quand j'ai décidé quelque chose, je vais jusqu'au bout, moi. Bon, bah, t'auras pas à le regretter. Vendredi soir, le coffre sera bourré de fric. Bon. L'endroit, t'es en ville ? Une entreprise de transport en plein cœur du Havre. Au sujet... Chut. Voilà le garçon. Et deux pastis pour ces messieurs. Ouais. Et une carafe de glacé. Bon, bah laissez, on se servira. Qu'est-ce que tu allais dire tout à l'heure ? Bah, je voulais simplement te faire remarquer qu'un coup pareil, ça demande quand même une préparation. Oh, c'est tout préparé, et depuis longtemps. Et j'ai même dessiné un plan. Tiens, regarde. Là, c'est le boulevard de Strasbourg, tu vois ? La façade est ici. Là ? Allez, le bâtiment, là. Tu vois ce carré ? Alors, le bâtiment, il se prolonge par une cour qui donne sur une impasse, juste en face d'un mur aveugle. Aucun risque de se faire repérer. Il n'y a qu'un mur de 2 mètres à sauter. Une fois dans la cour, on est dans la place. Oui, mais... Le chalumeau, j'en ai pas, moi. Mais te casse pas la tête, on aura tout à domicile. Qu'est-ce que tu racontes ? Tiens, regarde. Tu vois ici, le garage, avec les camions. Oui. Là, un atelier de réparation avec tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, tu saisis ? Hein ? Oui. La soudure autogène ? Ouais. Ces messieurs nous fournissent aussi tout le matériel. On le transporte dans le bureau. Tu allumes ton chalumeau. T'en as encore pour longtemps ? À peine pour une minute ? Des minutes ! Elles sont longues ! À la frousse, ma parole. Ça va, j'arrive pas. Grouille. Encore 1 centimètre. Là, ça va y être. C'est fini. Là, ouvre la porte et fais attention, hein, c'est brûlant. La sacoche, vite. C'est toi qui l'as. T'as raison. Je sais plus ce que je fais, moi. Tiens-la ouverte, pendant que j'ai fourré les billets. À ton avis, combien il y a là ? On comptera plus tard, en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que quelqu'un marche dans le garage. Mais qui ça peut être à cette heure-là ? Qu'est-ce que c'est ? Écoute ! Fais pas. Y a quelqu'un au bureau ? Derrière la porte. Fred, lâche cette clé, tu veux ? Quelqu'un ? Mais pourquoi t'as fait ça, Fred ? C'était pas convenu. Fallait choisir, lui ou nous. Et puis quoi ? Tu vas pas en faire un drame ? Il est pas mort. Mais il est blessé tout de même. Je l'ai sonné tout juste. Dans 10 minutes, il va se réveiller et ameuter tout le quartier. Faut pas moisir ici.
Tiens, la porte du garage, le type l'a laissée ouverte. Tant mieux. On va sortir par là. Prends la sacoche et passe devant. J'ai encore une bricole à faire ici. Quoi? T'occupe pas, allez, va-t'en. Attends-moi au carrefour, je te rejoins dans 3 minutes. Allez, brouille, brouille, brouille. Viens, mais j'attends pas plus de 3 minutes, hein. Voilà, ça y est. J'ai pas été long, hein. Qu'est-ce que t'as fait là-bas? T'en fais pas, mon vieux. C'est fini, on n'a plus rien à craindre. Non, Fred, dis-moi ce que t'as fait, sinon je bouge pas d'ici. Et je garde la sacoche. Bon. Si tu tiens à le savoir, j'ai gratté une allumette. Une allumette? Et comme par hasard, il y avait un bac d'essence en dessous. T'as mis le feu? Avec les camions et la réserve d'essence, dans 5 minutes, le bâtiment flambera comme une torche. Mais t'es fou, là. Tout disparaîtra dans l'incendie, même l'armoire métallique. Personne se doutera qu'il y a eu un cambriolage. Et s'il n'y a pas de cambriolage, on cherchera pas les cambrioleurs. Ouais, mais le type, là-bas. Si tu commences à faire du sentiment... On va pas le laisser griller, non? Allez, viens, grouillon. Non, Fred, pas ça, alors je suis pas d'accord, hein. Mais viens, je te dis, on va finir par se faire repérer. Qui va me lâcher, Dina? Je peux pas laisser faire ça, moi. Il faut que j'y aille. Tiens, prends la sacoche, enfin. Lâche-moi. Moi, t'es cinglé, maintenant. Dans 5 minutes, ça sera l'enfer. T'y laisseras ta peau. Mais laisse-moi, mon sang, laisse. Il faut que j'y aille. Mais réfléchis. Les millions. Les millions, eh ben, garde-les, tes millions. Lâche-moi. Bon, ben, après tout, si tu veux jouer les Saint-Bernard, bon vent. Moi, je me taille. Vous êtes madame l'épouse de la victime? Non, monsieur l'inspecteur, je suis madame Perreux. C'est mon mari qui a tiré monsieur Mercier des flammes. Un bel acte de courage, madame. Il aurait pu y perdre la vie. Oui. Heureusement, il n'a que des brûlures superficielles. Monsieur Mercier, lui, est plus atteint. Il a été blessé au crâne par les cambrioleurs. Eh bien, il doit être une fière chandelle à votre mari. Oh oui. Aussi, quand il a repris connaissance à l'hôpital, il a voulu qu'on le place dans la même chambre que Pierre. Il est hors de danger maintenant. Je sais. Le médecin m'a dit que je pouvais leur parler. Oh, je ne sais pas s'il repose. Je vais voir. Pierre? Pierre, tu dors? Oh, c'est toi, ma chérie, non? Parle tout bas. Merci, c'est assoupi. Il y a un inspecteur de police qui voudrait vous parler. La police, pourquoi? Bah, pour tout, quoi. Pour l'incendie, le cambriolage. Je peux le faire entrer? Oui. Non, oui, qu'il fasse pas de bruit. Oui, bien sûr. Entrez, monsieur l'inspecteur. Monsieur Mercier s'est assoupi, mais mon mari est réveillé. Toutes mes félicitations, monsieur. Vous avez fait preuve d'un grand courage. Oh, ne parlons pas de ça, je vous en prie. Alors parlons des faits, si vous voulez. Et comment les choses se sont-elles passées? Oh, le plus simplement du monde, je rentrais chez moi par le boulevard de Strasbourg. La porte du garage était entrouverte, j'ai cru voir des lueurs à l'intérieur. Je m'approche et tout de suite, je me suis rendu compte que ça brûlait. Et puis, il m'a semblé entendre des appels. Je me suis précipité, j'ai vu M. Mercier qui se traînait, enfin, sur le sol. Il n'y avait alors personne d'autre? Personne. Alors, j'ai pris M. Mercier sur mon dos. Et quand la porte, enfin, les poutres, les portes, tout ça, tout s'est enflammé, s'est écroulé, eh bien, c'est lui qui a reçu ça sur l'épaule. Enfin, il m'a protégé, en quelque sorte. Oui, mais vous lui avez sauvé la vie. Oh. Ensuite, vous êtes arrivé sur le trottoir, et malgré vos brûlures, vous avez eu encore la force de prévenir les pompiers. Il y avait une borne à proximité, hein. J'ai cassé la vitre, puis je me suis réveillé à l'hôpital, enfin, ici, dans ce lit. Enfin, vous voyez, ça n'a rien d'extraordinaire. Oh, ben, il est modeste avec ça, hein. Vous écoutez. Oh, c'est nous qui vous avons réveillé, monsieur Mercier. Oh, non, pas du tout, ma petite Georgette. Permettez que je vous appelle Georgette. Hein. Mais très volontiers. Bon, et toi, Pierre? Mmh. Hein? Oh, tu serais pas jaloux d'un vieux bonhomme comme moi, quand même. C'est pas si vieux que ça. Et pas si vieux. 50 ans. Autant que vous deux réunis. Ah, mon vieux Pierre, ah, si tu savais. On se tutoie, hein? Allez, on se tutoie. Mais tu m'appelles Maurice. Ben, je veux bien, oui. Monsieur Mercier, vous permettez que je vous pose quelques questions? Oh, mais toutes les questions que vous voudrez, docteur. Non, monsieur n'est pas docteur, c'est un inspecteur de police. Ah, bon, oui. Ah bon, c'est un inspecteur. Ah, ben, alors vous êtes là pour le cambriolage? Ah, si je te l'ai, les salauds. Comment, ils étaient plusieurs? Ah, ben, ils étaient deux au moins, moi.
Je les ai entendus chuchoter dans le bureau. Et vous n'en avez vu aucun? Ah ben, j'ai vu aucun, moi j'ai pas eu le temps. Il faisait nuit, puis avec le coup que j'ai reçu sur le cassis, là, alors... Oh, j'en ai bien vu 36 chandelles, mais alors ça n'a rien éclairé du tout. Oh, vous souffrez? Ah non, mais alors, c'est cette sacrée foutue épaule, hein. Oh, puis elle est bien amochée. Puis pour toujours. Bon, avec le temps, ça s'arrange. Ouais, toi, hein. C'est pas la peine de me dorer la pilule, hein. Ce matin, j'ai bien entendu le toubib qui susurrait à l'oreille de l'infirmière, il est plus question pour moi de conduire un poids lourd, hein. Justement, à ce propos, vous êtes chauffeur dans l'entreprise de transport et vous aviez rentré votre camion vers les 7h du soir. Oui, c'est ça, oui. Et comment se fait-il que vous soyez retourné au garage en pleine nuit? Ah, ils sont toujours curieux dans la police, hein. C'est notre métier. Eh ben alors voilà, monsieur l'inspecteur. Je suis revenu à l'improviste au garage parce que, au moment d'entrer chez moi, je suis un vieux garçon, je mange au restaurant, puis alors après le dîner, je traîne toujours un petit peu comme ça en ville. Alors au moment d'entrer chez moi, je me suis aperçu que j'avais oublié ma clé dans le camion. Et vous possédiez la clé du garage? Alors je suis allé la chercher chez Kouzik. Ouais, enfin Kouzik, c'est le contremaître. Il était prêt à se mettre au lit. Je devais la lui glisser dans la boîte aux lettres, au retour. La porte du garage était fermée? Ah oui, c'est alors à double tour. Là. Et les cambrioleurs ont dû pénétrer par derrière. Ah. Le mur de la cour n'est pas difficile à franchir. Ils connaissaient certainement les lieux. Ils connaissaient aussi l'existence de l'argent destiné à la paix. Ça, c'était un secret pour personne. Hein. Et le vol se monte à combien? 80 000 francs. 8 millions d'anciens francs. Les dégâts matériels sont encore plus importants. Heureusement, cher monsieur, vous êtes arrivé à point pour prévenir les pompiers, sinon... Ah ben, sinon, je grillais comme un poulet, moi. Ah, faut-il être salaud tout de même, hein. Et il s'agit peut-être que d'un accident. Ah, d'un accident, tiens, tu parles. En tout cas, il serait difficile aux cambrioleurs de le faire croire. Non, bah, je veux dire, ils n'ont peut-être pas pensé à toutes les conséquences. Je vous trouve bien indulgent. Héroïque, modeste et indulgent. Par-dessus le marché. Mettre le feu à l'établissement en ayant la certitude qu'un homme allait brûler vif, mais en courant délibérément le risque d'incendier tout un quartier, un tel acte ne vous révolte-t-il pas? Non, il y a toujours des circonstances atténuantes quand on se donne la peine de les chercher. Enfin... Mais voyons, Pierre, mais ces individus sont des monstres. Mais ils ne méritent aucune pitié. Non, d'ailleurs, moi, je pencherais plutôt pour la préméditation. On a relevé des quantités d'empreintes et s'ils n'ont pas pris la précaution de prendre des gants, c'est qu'ils comptaient bien que l'incendie détruirait toute trace de leur passage. Des empreintes? Quoi, vous voulez dire qu'il sera facile de les retrouver? S'ils sont fichés à l'identité judiciaire, oui. Ah, autrement, ça sera beaucoup plus compliqué. En se transformant en incendiaire, ils ont aggravé singulièrement leur cas. Un incendie volontaire, ça peut aller chercher jusqu'au trop forcé à perpétuité. Oh, monsieur l'inspecteur, alors là, si après leur arrestation, vous me laissez 5 minutes entre les mains, là, mais 5 minutes, pas plus. Moi, je crois bien que je ferai faire à l'État l'économie de leur pension, on va dire, les salauds. Oud, voilà. Toujours cette foutue épaule. Je n'abuserai pas davantage. Quand vous serez sur pied, vous viendrez signer votre déposition. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Je vous raccompagne. Dis donc, Pierre. Pierre, tu m'entends? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'es dans les nuages? Ouais, excuse-moi, je pensais à autre chose. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te remercier, mon vieux. Oh, si. Ce que t'as fait là, hein? C'est chic, tu sais. Non, ça, des braves types comme toi, ça console un peu de savoir qu'il existe des salauds. Je suis peut-être pas aussi brave type que ça. Finis un petit peu avec ta modestie, hein? On se connaît pas beaucoup, mais moi, je sens déjà qu'on va être copains. Bien, qu'est-ce que je dis, copain? Entre nous... écoute, je te le dis pas avec des grands mots, parce que moi, je sais pas. Mais entre nous, tu sais, c'est à la vie, à la mort. Si vous voyez, il y a des tas de journalistes en bas. Ils veulent prendre des photos et vous interviewer tous les deux. Non. Pas de journaliste, pas de photo. Je ne tiens pas à cette publicité idiote, moi. Pourquoi idiote? Pour que tout le monde me reconnaisse ensuite, quand on se retourne sur mon chemin. Non, merci. Si on parle de toi, ça t'aidera peut-être à trouver du travail. Pourquoi t'as pas de travail en ce moment? Hein? Mais... Qu'est-ce que c'est ton métier? Rien de précis. Moi je prendrais n'importe quoi. Tout de même, t'as une profession, quoi, une vraie. Mais c'est pas la peine d'en parler. Parles-en, pourquoi pas? Moi que ça soit inscrit, hein. Mais bien sûr que non. Il est soudeur à l'autogène. J'étais. Parce qu'en ce moment, j'ai pas de boulot. Et juste quand son ami allait lui trouver quelque chose, voilà qu'il est immobilisé. Mais tu fatigues Maurice avec tout ça. Non, pas du tout. Au contraire, ça me donnerait plutôt une idée. Je vis tout seul, comme une vieille croûte. Ça serait peut-être pas bête, ça. Quoi donc?
Oh, vous nous intriguez. Non, mais... on en reparlera plus tard, hein. Alors, si vous êtes dans la mouise, alors foi de Maurice, je vais pas vous y laisser, moi. Ce Maurice, tout de même, c'est une vraie force de la nature. Il a un trou dans la tête, l'épaule en capilotade et il rôde toute la journée dans les couloirs de l'hôpital. Ouais, tandis que moi, je quitte pas la chambre, je suis le moins atteint et le plus loin à me remettre. Cool. Ouais, la comparaison est pas à mon avantage. Bon, qu'est-ce que tu vas chercher là? Bah, toi, mon chéri, c'est pas la même chose. Toi, c'est... C'est toi. Oui, c'est ça. Tiens, si c'était possible, je t'aimerais encore plus après ce que t'as fait. Non, non, Georgette, j'en vaux pas la peine. Mais qu'est-ce que t'as donc à te diminuer comme ça chaque fois? Écoute, c'est agaçant à la fin. L'autre soir, quand t'es sorti pour rencontrer Fred, t'étais optimiste, gonflé à bloc. Et puis... Tenez donc à propos de Fred. Ce travail qu'il devait te procurer. Hein? Non, rien du tout, non, ça n'a pas marché. Vous vous êtes pas disputé au moins? Pourquoi veux-tu qu'on soit disputé? Bah, parce que c'est étonnant qu'il soit pas venu te voir à l'hôpital. Les journaux ont parlé de toi. Mais si, alors... s'il les a pas lus, les journaux. Bah, alors on devrait peut-être le prévenir. Pourquoi faire? Bah, pourquoi faire? Par politesse. Vous étiez assez bons copains tous les deux. Bah, bon, c'est beaucoup dire. Je l'avais rencontré par hasard au cours d'une de mes démarches pour trouver de l'embauche. L'embauche. L'éternel problème. Bah, n'y pense plus, va. Maurice semble avoir une idée. Il t'a plus parlé de rien? Bah, ma foi, non. Dis donc, où il habite? Et qui ça, Maurice? Mais Fred, pardi. Oh, écoute, laisse-moi tranquille avec ton Fred. T'intéresses, toi? Bah, moi, pas du tout. Mais mon chéri, si... Mais ne parlons plus de Fred, t'as compris? Bon, comme tu voudras. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Excuse-moi, ma chérie, j'ai... Je suis brusque, mais faut me comprendre. C'est, j'ai les nerfs à vif. Le choc a sans doute été trop fort pour moi, je pense. Je suis pas comme Maurice, mais une force de la nature. Et tu sais où il est? Non, je crois qu'il est en train de causer avec l'agent d'assurance de son entreprise de transport. À moins que ce soit avec l'inspecteur de police, je sais pas. Il est encore là, celui-là? Oh, bah tu sais, il va, il vient. Il... Oh, les enfants! Oh! Une bonne nouvelle, hein? Les bandits sont arrêtés? Ah non, ça c'est une autre histoire, ça. Non, l'inspecteur m'a dit ce matin que... Enfin, qu'il était peut-être sur une piste. Alors... Quelle piste? Hein? Ben, je sais pas, moi, il a pas voulu préciser. Non, la bonne nouvelle, c'est autre chose. Voilà, vous savez... Enfin, si vous savez pas, moi je vous l'apprends, que mon patron était assuré contre l'incendie. Le bâtiment, le matériel, les camions, hein? Bah, ça fait un drôle de paquet. Si tout ça avait brûlé, l'assurance en aurait été pour plus de 250 millions. Oh là. Hein? Non, remarquez, je parle en ancien fonds parce que moi, les nouveaux, alors là, il n'y a pas moyen qu'ils montent dans la tête. Hein, alors ça, zéro. Alors, grâce à la rapide intervention des pompiers, les dégâts se montent à peine à une dizaine de millions. Et cette rapidité, à qui on la doit? À Pierre. Eh oui, mon vieux. Eh oui, à toi. Grâce à toi, l'assurance a économisé une fortune. Alors, tiens-toi bien. Écoute bien ça. Le conseil d'administration s'est réuni et il a décidé. Qu'est-ce qu'il a décidé? Non, ben alors, ça on me l'a annoncé officieusement, hein. Mais il a décidé de te verser une prime d'1 million. 1 million? Oui. Mais t'entends, Pierre? 1 million? J'en veux pas. Pierre! Non mais il est fou. Fou ou pas fou, je refuse de toucher le moindre sou. Mon chéri, qu'est-ce qui te prend? Bah, mais réfléchis. Ce que j'ai fait, je l'ai pas fait pour de l'argent. Bon, franchement... Mais enfin... Non, mais insistez pas, Georges, n'insistez pas. Bon, alors, je continue la suite de la bonne nouvelle. Hein. Enfin, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Bon, vous savez qu'à cause de mon épaule, je pourrais plus jamais conduire de poids lourd. Hein. Ça, c'est le médecin de l'assurance qui l'a constaté hier après-midi, après l'expertise et puis tout le bataclan. Ah bah si c'est ça, ta bonne nouvelle... Non, mais attends, quoi, laisse-moi finir. On me propose, tiens-toi bien, 5 millions... Pour me dédommager. Vous avez accepté, naturellement. Oh, bah tiens, je suis pas fou, moi. C'est là que l'idée dont je vous parlais l'autre jour a fait son petit bonhomme de chemin. Écoutez-moi bien, les enfants. Ouais, on écoute. Bon, toi et moi, hein, on peut plus exercer notre métier. Non, on peut plus non plus faire des travaux de force, hein, t'es d'accord? Premier point commun. Deuxième point commun, tu me sauves la vie. Encore? Non, mais je pense. Troisième point commun, on est devenus des amis. Ah ça, tu vas pas dire le contraire. Ouais, où veux-tu en venir? À ceci.
pourquoi ne pas mettre en commun tout ce qu'on a? Les bonnes et les mauvaises choses pour repartir ensemble du bon pied, hein? Non mais écoute, crois pas que je te fasse une fleur. Sans toi, je pourrais jamais réaliser mon projet. Moi, j'ai besoin de toi. Et puis de vous aussi, Georgette. Mais quel projet, dites vite. Et ben voilà. Et j'ai des vieux amis qui tiennent une auberge tout près du Havre, sur la falaise, à Octeville. Pour un établissement de luxe, non. Non, c'est plutôt de genre casse-croûte à toute heure, avec trois chambres à l'étage. Alors, elle se loue à la belle saison, mais... Alors, mes amis sont vieux. Ils voudraient bien se retirer. Et ils vous céderaient le fond. Voilà. Avec 5 ou 6 millions, moi, j'en suis sûr. Hein? Alors, qu'est-ce que tu dirais d'une association? Hein? Eh ben, Pierre, quoi? Réponds, tête de mule. Ouais, c'est toi qui apporterais l'argent. Quoi? T'as ton million de primes? Si c'est les scrupules qui te retiennent, moi je te répète que j'ai besoin de vous deux. Ça, entre la cuisine et le ménage, le travail me manquerait pas. Allez, allez, pense à Georgette, Pierre, quoi? Oh, Pierre. Tu préfères peut-être l'avoir pataugé dans la mélasse, hein? Comme avant? Oh, dis oui. Me dis oui, mon chéri. Ben, je dis pas non. Eh ben, bravo! Oh, je t'embrasse, mon chéri. Et vous aussi, Maurice. Oh, elle est dans mes bras, mon enfant. Oula, oula. Oh, pardon. Oh, oui, oh, ben, c'est toujours cette foutue épaule. Bonjour Maurice. Bonjour. Alors, toujours de bonne humeur. Ah, ma petite Georgette, depuis 6 mois, c'est comme ça. Sans doute parce que depuis qu'on a pris l'auberge, moi je trouve la vie belle. Hein, pas vrai? Oh si. Pierre a une mine florissante, grâce à vous. Oh là là, oh ouais, pas de remerciements, hein, surtout. Bah où il est votre Pierre? Il vient de charger les casiers de bouteilles vides sur la camionnette. Ah bon. Tenez, je venais justement vous prévenir. Non mais j'y vais tout de suite, dites donc. Finissez de rincer les verres. Hein. Oh, il en reste si peu. Hey, c'est encore une chance qu'avec mon épaule, je puisse conduire les petites voitures. Mais vous n'oubliez pas de passer chez le blanchisseur. Non, je n'oublierai pas, tout à l'heure. Bonjour, Georgette. Fred. Oh, ben alors, ça pour une surprise. Ça... Vous ne pensiez plus à moi, on dirait. Oh non, croyez pas ça, et hier encore je parlais de vous avec Pierre. Ah bon? Mes oreilles auraient dû tinter. J'espère que vous ne disiez pas de mal de moi. Du mal? Oh, non, pas spécialement. Non, vous voyez, c'est plutôt qu'on se demandait ce que vous avez fait pour que vous nous laissiez tomber, là, comme ça. Ah, et qu'est-ce qu'il en pensait, Pierre? Oh, il pensait que vous deviez avoir des occupations. Eh bien, il avait raison. N'empêche que, même si ça doit vous surprendre, je suis rudement content de venir le féliciter, votre héros. Ah, comment vous saviez? Ben, j'ai lu les journaux, comme tout le monde. Malheureusement, le jour de son histoire, j'étais en route pour Marseille, une grosse affaire à traiter. Ah, oui. Alors, je suis revenu hier. Et me voilà aujourd'hui. Maintenant, je comprends, hein. Oh, remarquez, c'est pas que Pierre soit fâché contre vous, non? Hein? Et qu'est-ce qu'il disait alors de moi? Mais écoutez, je vais vous dire la vérité. Pierre, c'est insensible. Ouais. Quand on parlait de vous, ça devait le peiner, alors il me faisait toujours taire. Bien sûr. J'ai eu l'air d'un lâcheur. Eh ben, on va s'expliquer où il est, ce vieux Pierre. Oh ben, je l'appelle tout de suite. Pierre! Pierre! Viens voir qui est là! Oh ben, là, il va avoir une de ses surprises, hein. Je vous crois. Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, regarde. Une visite. Fred? Bonjour, mon vieux. Je suis content de te voir. Tu sais, il est au courant de tout par les journaux. Il était en voyage, c'est pour ça qu'il n'est pas venu à l'hôpital. Oui. Non, mais regardez-le, Fred, il n'en revient pas. Sacré vieux frère. C'est l'émotion qui te coupe la parole? Bon, écoute, dis quelque chose. T'as plus de raison de lui en vouloir puisqu'il était en voyage. Ben, dis quelque chose, Pierre. Ben oui, comment ça va? Hein? En pleine forme. Ah, ouais. Ça fait plaisir de se retrouver. Tu dois avoir des tas de choses à me raconter. Vous dînez avec nous ce non, soir? Non, Fred a peut-être des occupations en ville. Hein. Ah ben, pas du tout. Non, non. Ah ben alors, vous acceptez? On vous présentera Maurice. C'est le type le plus non, chic du monde. Georgette, n'insiste pas. Quand tu vois bien que Fred n'a pas envie de rester. Si mais si, mais si, mon vieux. D'ailleurs, je suis venu pour ça. Non, pas pour me faire inviter, mais... Je me suis dit que quelques jours de repos bien au calme, après tout... Non. Comment tu comptais t'installer ici? En payant, bien entendu, hein. Vous prenez bien des pensionnaires. Pas l'hiver.
Non, non, il n'y a personne, c'est pas assez confortable. Eh ben voilà qui fait fuir le client à présent. Mais moi ce que je cherche surtout c'est la tranquillité, pourvu que j'ai un lit et une table de toilette. On vous montrera de l'eau chaude le matin. Puis alors pour la cuisine, hein, faites-moi confiance. Quant au prix... Aucune importance. J'en parlerai avec Pierre pendant que vous préparerez ma chambre, si vous voulez bien. J'y vais tout de suite, oui. Vous n'avez pas de valise? Bien sûr que si. Je l'ai laissée sous la tonnelle. Ah bon? Non, non, mais ne vous donnez pas la peine. Je la montrerai moi-même quand ma chambre sera prête. Bon, eh bien alors je cours la préparer, hein. Je vous donne la plus belle, avec une vue sur la mer. Merci. Qu'est-ce qui t'a pris? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est clair, non? Je m'installe ici pour quelques jours. Eh ben, t'as rien à faire ici. Prends ta valise et file. Je raconterai une histoire à Georgette, tu arrangeras ça. Monsieur me donne des ordres. Bah, écoute, t'as eu ce que t'as voulu, Fred, hein? T'as gardé les millions, ça je m'en fous, ça m'est égal. Moi j'ai tiré un trait là-dessus, t'as compris? Je ne veux pas, je ne veux absolument pas revenir en arrière, t'as compris? Parce que monsieur a joué les héros, monsieur méprise les copains. Les copains, bah toi et moi on n'a plus rien de commun. Ah non, non, ce serait trop facile. On s'est salis les mains ensemble, tâche de pas l'oublier. Qu'est-ce que tu veux à la fin, hein? L'argent? Je me fous de ton argent. Ce que je veux c'est un endroit tranquille pour me mettre au vert, un point c'est tout. Bon alors encore une fois, calmement, je te demande d'aller ailleurs, hein? Les endroits tranquilles ne manquent pas dans la région. Et moi, je dis non. J'ai besoin d'une planque. Une planque. Tu piges? Tu... T'es recherché par la police? Tiens, tiens. Tu te réveilles. Non, mais explique-toi une bonne fois pour toutes au lieu de tourner autour du pot, là. Vas-y. T'as raison, ça vaudra mieux. D'abord, si j'ai les flics au train, c'est bien de ta faute. Parfaitement, ouais, ouais, ouais. Si t'avais laissé flamber tout le truc, on n'aurait rien soupçonné du cambriolage. Je te l'avais dit, pas de cambriolage, pas de cambrioleur. Dans le pétrin, j'y suis à cause de toi. Oui, c'est ici que tu viens de planquer. Parce que c'est le dernier endroit où on pensera à venir me chercher. Tu parles. La maison de la victime et du héros. Et si je refuse? De loger un client? Un ancien copain? Sous quel prétexte? Ton ami, là, le Maurice, il comprendrait pas. Georgette non plus. À moins que tu préfères que je la franchisse, ta Georgette. Si tu fais ça... Bon, t'emballe pas. J'ai pas intérêt à la mettre dans le coup, si tu te montres raisonnable. Tu vas rester longtemps? Quelques jours seulement, le temps de prendre mes dispositions pour passer à l'étranger. D'accord? Bon, c'est bon, oui. Va chercher ta valise. À la bonne heure. Et surtout, n'oublie pas que si par hasard il m'arrivait un pépin... Tu serais toi aussi dans le bain, jusqu'au cou. Et un pastis bien tapé. Comme vous l'aimez, monsieur Fred. Ah non, c'est moi qui l'offre. Hein. Ah, vous me gâtez. Ah, ben, les habits de Pierre sont mes amis. Hein. Tout ce que je souhaite, c'est que vous plaisiez chez nous. Si je m'étais pas plu... Je n'aurais pas attendu 8 jours pour m'en apercevoir. Malheureusement, les bonnes choses ont une fin. Pourquoi? Vous nous quittez déjà? Ah, ça dépend. J'attends un coup de fil du Havre. Ah. Fameux votre pastis. Ah oui, c'est du cousu humain, hein? Pas si on peut dire. Ah, s'il suffisait d'un pastis pour faire le bonheur d'un homme... dites-moi, monsieur Fred, vous qui êtes... Enfin, qui est aussi l'ami de Pierre. Ouais. Trouvez pas qu'en ce moment, il a mauvaise mine? Non, pourquoi? Ben, je sais pas. Je sais pas, moi, depuis quelques jours, il est... Et, je sais pas comment dire, mais il est inquiet, il est bizarre. Il... Hein? Ah oui, il se met en boule, là. Pour un rien. Hein. Tiens. Et, remarquez qu'il était un peu comme ça quand je l'ai connu. Ben, là encore, il y avait une raison, il était sans travail. Ouais, et puis, surtout le choc. Le choc. C'est insensible. À qui le dites-vous? Oh... Il n'y en a pas beaucoup qui auraient fait ce qu'il a fait. Oh, c'est un garçon épatant. Épatant, c'est le mot. Et puis, franc, loyal. Tiens, justement, le voilà, notre héros. C'est moi que tu parles? Avec monsieur, on disait que des gars comme toi... Non, ça va, vous allez pas remettre ça tous les deux. Hein. J'en ai assez, moi, d'entendre répéter toujours la même rengaine. Quoi, te fâche pas. Ah, c'est agaçant, la fin. À chaque fois que quelqu'un met le pied ici, tu recommences. Si t'es un brave type, moi je peux pas dire le contraire. Eh ben j'en ai marre d'être un brave type, j'en ai marre. Tu préférerais peut-être être à la place de ceux qui ont allumé l'incendie. Ah bah tiens, ceux-là, si je les tenais. Que les flics leur aient pas mis la main au collet, ça c'est mon seul regret. Vous leur en voulez, hein, à ces types-là? Moi, si je leur en veux, tu as les salauds. Si j'en avais un, là, un seul, seulement là, devant moi.
Je vous jure qu'il passera un mauvais quart d'heure. Puis ce sera son dernier quart d'heure. Après tout, vous vous en êtes pas trop mal tiré? Ouais. Ah ben, c'est une question de principe. Les chiens enragés, on les supprime. Même si c'était mon propre père ou mon frère, moi j'aurais pas de pitié. Même si c'était Pierre? La ferme! Bon, si on peut plus plaisanter. Ouais, bah ferme-la, hein. Force de me chercher, tu finiras par me trouver. Oh, bah, écoute, quoi, tu vois bien qui blague, écoute. Allez, une minute. Allô? Oui, il est là, je vous le passe. C'est le coup de fil que vous attendez, monsieur Fred. Ah bon? Vous me le passez sur la cabine. Oui, dès que vous aurez décroché. Ah, dis donc, vieux. Oui. Dans mes sens de vexer, t'es drôlement de mauvais poil ces jours-ci. Oui, mais c'est comme ça. Allô? Allô, vous avez monsieur Fred? Vous avez parlé? Qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui, dis donc, mais t'es drôlement de mauvais poil, toi. Ça va pas avec Georgette? Mais qu'est-ce que Georgette vient faire là-dedans? Ah ben, je sais pas, mon vieux, moi, j'essaie de comprendre. Eh ben, mêle-toi de ce qui te regarde, tout ira très bien. Bon. Oh, c'est une dispute que tu cherches, hein, tu l'auras pas. Hein. Bon, je descends à la cave. Voilà, communication terminée. Ah ben, je vous laisse avec Pierre. Tâchez de la main douée, vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas, tous les deux? Fais bien attention, Fred. Si tu recommences le petit jeu tout à l'heure, ça finira mal. Alors, plus tôt tu partiras d'ici, mieux ça voudra. Où il est allé, Maurice? À la cave. Mais t'as entendu ce que je t'ai dit, hein? Plus question de partir. Du moins, pas tout de suite. Mais tu m'avais promis. Ce coup de fil change tout. D'ailleurs, j'ai hâte de parler, mais pas ici. Je t'attendrai dans ma chambre après déjeuner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu te décides? Ça fait une heure que j'attends. J'ai aidé Maurice à charger la camionnette. Qu'est-ce que c'est que ce coup de fil? Un coup de fil d'un salopard qui me le paiera peut-être un jour ou l'autre. Ferme d'abord la porte. Pierre, où es-tu? Ah, tu es là. Oh, excusez-moi, Fred. Oh, y a pas de mal. Oh, je suis montée en courant. Devinez qui est en bas. L'inspecteur Bernier. Bernier? Quoi? Oui, bon, enfin, tu sais bien quoi, l'inspecteur de police, là. Celui qui était venu à l'hôpital. Il a peut-être du nouveau. Il vous l'a dit? Non seulement il a demandé à voir Maurice, alors je le croyais à l'étage, Maurice. Maurice? Non, il est allé en ville avec la camionnette. Oh, ça, c'est pas de chance. Si l'inspecteur apporte des nouvelles... Bon, ben, je vais essayer de savoir. Attendez. Il vaudrait mieux que Pierre y aille. Oh, ben, bien sûr, oui. Vous aussi, si vous voulez. Non, pas tout de suite. Puisque vous êtes là, j'ai justement quelque chose à vous montrer. Par là, derrière la commode. Bon, volontiers, mais... L'inspecteur attend. Vous avez bien une minute. Pierre va y aller. Mais venez voir par ici. Bon, si vous y tenez. Une minute seulement. Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu attends pour descendre? Bon, mais j'y vais. Et moins on parle avec les poulets, mieux ça vaut. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ma femme m'a dit que vous vouliez voir Maurice, mais malheureusement, il est allé au ravitaillement au Havre. Ah, c'est dommage. Les nouvelles que j'apporte l'auraient certainement intéressé. Des nouvelles de qui? Et d'au moins un de ses agresseurs. Vous l'auriez arrêté? Non, pas encore, mais ça ne saurait tarder. J'ai bon espoir. Je vous intrigue, hein? Ben, mettez-vous à ma place. Avez-vous entendu parler du crime de la rue Georges Richaud? Il y a une quinzaine, un marin assassiné d'un coup de couteau, une histoire de fille ou de jeu. Je vois pas le rapport. Attendez. Les empreintes du meurtrier ont été relevées sur le manche du couteau. Oui. Or, je crois vous l'avoir dit à l'époque, les cambrioleurs en ont laissé sur le coffre. Oui. Ils comptaient sur l'incendie pour effacer leurs traces. Oui, en effet, je me souviens, oui. Eh bien, pour certaines d'entre elles, ce sont les mêmes. Oui? Vous voyez le rapport maintenant? Le meurtrier du marin est aussi l'un des cambrioleurs. Et on connaît son nom? Ah, n'en demandons pas trop. Par contre, nous avons un signalement précis. Plusieurs témoins l'ont vu sortir du meublé où logeait la victime. Et son signalement est diffusé partout, gare, aérodrome, poste frontière, port, enfin, tout lui est interdit. Il serait dangereux pour lui de descendre dans un hôtel, vous le comprenez? Oui. La bête est traquée, quoi. Si les malfaiteurs savaient se tenir tranquille après un coup réussi, il en reste sûrement beaucoup moins en prison. C'est vrai. Je vous remercie de vous être dérangé.
Je ferai part de la nouvelle à Maurice quand il rentrera. Mais c'est justement lui que j'aurais voulu voir, pour une confirmation en quelque sorte. Enfin, vous supposez tout de même pas qu'il le connaisse. Non, loin de moi cette pensée. La situation dans laquelle s'est trouvé M. Mercey écarte d'office une telle supposition. Néanmoins, tenez, j'ai là le signalement renéotypé du coupable. Ouais, j'aurais aimé que Maurice Mercey en prenne connaissance. Ouais. On ne sait jamais. Bah, vous savez bien qu'il n'a rien vu, enfin, strictement rien. Non, je suis convaincu de sa bonne foi. Cependant, les témoignages, même sincères, sont parfois sujets à caution. Les uns croient avoir vu et n'ont rien vu, d'autres croient n'avoir rien vu, et lorsqu'on leur met quelque chose de concret sous les yeux, ils se rappellent tout à coup que... Oui. Non, vous pouvez lire ce signalement, si vous voulez. Oh ben, moi, je suis sûr de n'avoir rien vu. Ça, je regrette l'absence de M. Mercey. Mais écoutez, laissez-moi le signalement, je lui montrerai en lui rapportant notre conversation. Oui, après tout, il n'apprendrait pas grand-chose de plus par ma bouche. Non. Et puis vous, je le crains, rien de plus par la sienne, alors. Et vous n'avez aucune idée de l'heure à laquelle il doit rentrer ? Oh, bon, il risque de rentrer très tard, c'est dans la soirée. Mais alors moi, il faut que je vous quitte maintenant, parce que j'ai du travail. Puis j'ai peur qu'en attendant, vous perdiez votre temps aussi. Et le temps perdu ne se rattrape jamais, vous avez raison. Oui. À la réflexion, je vais m'en aller. Je compte sur vous pour la commission. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Pierre. Oui. Pierre, mon chéri. Tu es... Qu'est-ce que tu veux ? Oh, c'est pas vrai. Dis, c'est pas vrai. Mais de quoi parles-tu ? Explique-toi. Fred m'a empêché de descendre. Il voulait pas que je parle à l'inspecteur. Alors, tout d'abord, j'ai pas compris. J'ai insisté, je me suis fâchée, alors... Alors, il m'a tout raconté. Oh, le salaud, l'ordure, le salaud. Dis-moi, c'est pas vrai, Pierre. Je t'en supplie. Oh, c'est trop bête. On est arrivé là maintenant. C'est vrai. Alors, c'est vrai. Mais Pierre, pourquoi tu fais ça? T'allais me quitter, ma chérie. Tu te rappelles? Tu te rappelles l'emploi de démarcheuse? Alors, je voulais pas que tu partes. Moi, je voulais te garder près de moi à n'importe quel prix. Oh non. Oh non, pas à ce prix-là. C'était payé trop cher. J'ai réalisé après. Parce que Fred a mis le feu. Alors je suis retourné, moi je... Puis tout le monde m'a pris pour un héros. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? J'avais peur. Alors c'était ça toute la confiance que tu avais en moi? Mais peur de te perdre surtout. Peur de ce qui risquait d'arriver, de ce qui arrive en ce moment. Il suffit de te regarder pour deviner ce que tu penses. Que veux-tu que je pense, mon pauvre Pierre? Moi je suis tellement bouleversée. Je te dégoûte. Mais dis-le que je te dégoûte. Qu'est-ce qu'il voulait, l'inspecteur ? De porter le signalement de Fred pour un second meurtre. Enfin, un règlement de compte avec un marin. Tiens. Tu peux le lire. Un enfant le reconnaîtrait. Pierre, t'as rien dit à l'inspecteur ? Non, évidemment, non. Pour ma présence, ça n'a plus d'importance. Quand le téléphone est là, tu peux appeler la police si tu veux. Si Fred est arrêté, tu le seras aussi. Non, si tu savais comme tout ça m'est égal maintenant. Tout ça... Même moi? Toi? Tu voudrais dire que... Mais moi non plus, je veux pas te perdre. Oh, Pierre, je veux pas que t'ailles en prison. Ma chérie, ma chérie. Oh, il faut faire quelque chose, Pierre. Mais je sais pas, moi. On va parler à Fred. Hein? Viens, il doit s'impatienter là-haut, viens. Plus question de discuter maintenant, Fred. Tu plies bagages, j'appelle un taxi et tu files dardard avant le retour de Maurice. Et je me fais épingler au premier carrefour par le premier flic venu. Tu me prends pour qui? Pour ce que vous êtes, un gars pas propre. Pour la morale, on repassera, hein? Que j'ai descendu le marin, ça me regarde. Ce qui vous regarde, vous, c'est que si je suis piqué, ce sera pour les deux affaires, à cause des empreintes. Et alors, Pierre, tu seras dans le coup? Ou bien tu m'aides à me tirer de là, ou bien on fait la culbute ensemble. Tenez-vous le pour dit une bonne fois pour toutes. Mais bon sang, ton intérêt à toi aussi, c'est de filer le plus vite possible. Si Maurice voit ton signalement... Mais t'es pas obligé de le lui montrer. L'inspecteur peut revenir. Pas avant demain matin.
Et si vous y mettez tous les deux un peu de bonne volonté, demain matin, je serai loin. Je serais déjà parti s'il n'y avait pas eu ce pépin. Comment, tu veux parler du coup de fil de tantôt ? J'y arrive. Il s'agit d'un type qui devait me faire embarquer en douce sur un cargo à destination du Brésil. Le pays rêvé. L'extradition n'y existe pas. Évidemment, un passager clandestin, ça paye plus cher qu'un autre. Beaucoup plus cher. On s'était entendu sur le prix. Le coup de téléphone, c'était pour m'annoncer que le cargo en question lève l'ancre demain matin. Bah alors tout va bien, vous partez. Ouais, sauf qu'il y a un hic. Au dernier moment, le monsieur a augmenté son prix. Il sait qu'il me tient. Bref, si vous pouviez faire un effort et combler la différence. Combien ? 5000 balles. Comment ? 500 billets anciens, si tu préfères. Mais où voulez-vous qu'on les prenne ? Vous n'allez pas me faire croire qu'ici, dans l'auberge, il n'y a pas 500 billets de planqués ? L'argent d'ici est à Maurice. Et après ? Non, Fred, n'y compte pas, hein. Maurice est un ami. Et toi, tu lui as sauvé la vie, il est reconnu. Mais c'est à cause de lui, si t'es dans la mouscaille. Si t'avais laissé tout griller, t'aurais touché ta part et tu serais pas là. Et je me débrouillerais tout seul. Et puis tu me cours ! Il me faut 500 sacs, un point c'est tout ! Un point c'est tout pour moi aussi, Fred, j'ai dit non. J'ai dit non, parce que fais ce que tu voudras, mais ne touche pas Maurice. Pierre a raison. Ah, c'est beau l'amitié. L'amitié. Il y a peut-être une idée là-dessous, hein ? Les amis de Pierre sont mes amis, qu'il m'a dit un jour. Il me les prêterait peut-être si je les lui demandais. J'y ferais même un reçu. Pas de ça non plus, Fred. Tu préfères que je lui expose la situation ? Il m'a dit aussi un jour qu'il ferait n'importe quoi pour toi. Ce brave homme, il les donnerait peut-être les 500 billets pour que t'ailles pas en prison. Vous ne ferez pas ça. Si c'est ma dernière carte, je la jouerai. Salaud. Fred ! Oh, arrête, Fred ! Okay. T'es pas de taille, mon petit gars. Oh, Pierre, tu as mal ? Non, c'est rien. Et c'est qu'un acompte. Pour le reste, ça dépend de toi. Ne me pousse pas à bout, hein. Si t'essaies de parler à Maurice, je t'en empêcherai par n'importe quel moyen. Il n'y en a qu'un de moyen, et tu le connais, le pognon. T'as toute la soirée et toute la nuit pour y réfléchir. Qu'est-ce que c'est ? C'est Maurice qui rentre. Qu'est-ce que t'en sais ? Il n'y a qu'à aller voir. Bougez pas tous les deux. Mais t'es fou, rentre ce pétard, quoi. Si c'est les flics qui viennent pour me cravater, il y aura du grabuge. Mais si tu fais l'imbécile, il y aura forcément du grabuge, oui. Bouge pas, je te dis. C'est Georgette qui va descendre. Toi, tu restes ici, avec moi. Bonsoir, Maurice. Bonsoir, Georgette. Alors, je suis pas en avance avec tous ces commerçants qui vous racontent leur vie, là. Hein? Eh ben, qu'est-ce que vous avez, vous? Vous êtes souffrante? Oh, non, non. Non, pas du tout. Bah, quoi, alors, hé. Regardez-moi, vous êtes livide, vous. Je vous assure que non. Allons, Georgette. Mais vous avez pleuré? Mais non, quelle idée? Ah ben, une idée qui est la bonne. Allez. Vous êtes disputé avec Pierre, hein? Puis c'est à propos de Fred, je parie. Pourquoi dites-vous ça? Oh, si vous croyez que j'ai pas remarqué. Depuis que Fred est arrivé, Pierre est pas à prendre avec des pincettes. Hein? Est-ce qu'il serait jaloux? Lui? Oh non, il s'agit pas de ça. Eh ben alors, de quoi il s'agit, alors? Hein? Vous préférez pas répondre? J'ai plus votre ami? Moi aussi. Eh ben alors, un bon mouvement? Ouais. Allez, racontez-lui tout, vieux Maurice. Non, Maurice, c'est pas possible. C'est si grave que ça? C'est très grave, oui. Oh. Ouais. C'est pas une dispute entre Pierre et vous me l'avez dit. Et c'est à cause de Fred. À cause de Fred. Moi, je lui ai cassé la gueule, moi. Non, Maurice. Maurice, je vous en prie. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Dites-le-moi. Je suis là pour vous aider. Je fais n'importe quoi, vous le savez bien. Même si vous appreniez que Pierre n'est pas... Enfin, n'est pas l'homme que vous croyez. Pierre est mon ami. Je resterai le sien, quoi qu'il arrive. Et même s'il avait fait une bêtise, une grosse bêtise, quelque chose qui... Oh non, j'ai peur. Oh, j'ai peur, ils sont là-haut tous les deux. Fred est armé. Oh, écoutez, vous pouvez sauver Pierre, vous seul, vous pouvez sauver... Oh non, je vous en supplie, ayez pitié.
Il est pas méchant, Maurice. Allons, ma fille Georgette, calmez-vous. Je ferai tout ce qu'il faudra, je vous le promets. Enfin, moi, je peux rien faire sans savoir. Écoutez, je vais tout vous raconter. Voilà, Pierre était en chômage, on n'avait plus d'argent, enfin, c'était presque la misère. Et j'allais le quitter, alors il s'est laissé entraîner par Fred. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le cambriolage. Vous ne voulez pas dire que... Si. Mais c'est pas lui. C'est pas Pierre qui a allumé l'incendie, c'est Fred. Et ce salaud serait là-haut. À portée de ma main. Et Pierre? Pierre serait complice? Mais... Bon, parlez, Ponceau, parlez donc. La suite. Mais je vous le jure, Maurice, Pierre voulait pas de l'incendie. La preuve, c'est qu'il est retourné vous chercher, alors. Il a risqué sa vie pour vous sauver. Il aurait pu... Je sais pas, moi, il aurait pu tout laisser brûler et partager l'argent avec Fred. Voilà, et maintenant que tout s'est tassé, Fred a dû lui apporter sa part. Et les deux complices ne sont plus d'accord sur le partage. Et alors moi, le gros naïf... Non, Maurice, je vous en supplie, écoutez-moi. Mais c'est pas ça du tout. Pierre voulait plus le revoir, c'est Fred qui s'est imposé, il a fait du chantage, il se cache ici. La police le recherche parce qu'il a tué le marin le mois dernier. Comment? Oh, j'ai rien dit. Continuez. Cet après-midi, l'inspecteur Bernier est venu à cause des empreintes. Il sait que le meurtrier du marin a aussi participé au cambriolage. Il a donné le signalement par écrit à Pierre. Alors Fred veut fuir et il a besoin de 500 000 francs. Il a exigé que Pierre vous les vole, à vous. Mais Pierre a refusé. Ils sont battus. Enfin, Pierre est votre ami, Maurice. Mais enfin, il faut me croire. Lui, il sera tué plutôt que de vous voler, alors. Maurice, si on arrête Fred, il est en prison, lui aussi. C'est tout? Oh, c'est toute la vérité, ça, je vous le jure. Elle est pas bien belle. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Enfin, je sais pas encore, quoi. J'ai besoin de réfléchir. Maurice, je veux pas perdre pied. Pour réfléchir, j'ai besoin d'être seul. Allez, remontez là-haut. Remontez là-haut, les tranquilliser. Dites-leur que ce brave Maurice ne se doute de rien. Allez, montez! Oui. Oui, j'y vais. Allô, le commissariat? Je voudrais parler à l'inspecteur Bernier. Ah, il vient à peine de rentrer. Bon, pensez-le moi tout de suite, c'est urgent. Merci. Allô, c'est vous, inspecteur? C'est Maurice Mercer à l'appareil. Oui, j'ai vu le signalement. Écoutez-moi, tenez-vous bien. Aucun doute possible. C'est notre pensionnaire. Non, c'est pas une coïncidence. Au contraire. On en se cachait ici. Il a pensé que ce serait le dernier endroit où vous viendriez le chercher. Écoutez, j'ai pas le temps de vous expliquer tout ça par téléphone. Il est là-haut, dans sa chambre. Il se doute même de quelque chose. Le temps presse. Allez, faites vite. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Boris. Vous avez une minute? Entrez. Pierre est pas là? J'étais là tous les deux avec Georgette à l'instant. Ah. Georgette a eu un malaise. Pierre l'a accompagnée dans leur chambre. On sera donc plus tranquille pour causer. Vous avez quelque chose à me dire? En particulier? Permettez. Je ferme la porte. Et maintenant, je peux vous le dire, entre quatre yeux,
T'es un beau salaud, Fred. Quoi? Cambriolage. Tentative d'assassinat. Incendie volontaire. Sans compter le meurtre du marin. Ça va te coûter cher, hein? Ah oui, je vois, ils se sont confessés. Donne les 500 billets et je file. Oh. Monsieur tente de me faire griller tout vif et voudrait que je le paie par-dessus le marché. Pas de salade. Si t'as pas prévenu les flics, c'est que tu veux arranger les choses, non? Oui, mais en effet, oui. Mais j'ai aussi prévenu les flics. C'est pas vrai. D'abord, tu laisserais pas aller ton petit copain en tôle. Et puis, tu serais pas là. J'ai dit que je venais arranger les choses. Mais alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? À quoi ça rime, toutes ces simagrées? Chut, chut. Écoute. La voiture qui s'arrête. Bon Dieu, les poulets, tu me le paieras! Maurice! Maurice! Maurice, tu es blessé? Il est mort! Écartez-vous! Qu'est-ce qui s'est passé? Je le surveillais du couloir. Puis la porte de sa chambre était ouverte. Sachant ce que je savais, j'avais pris l'automatique dans le tiroir caisse, quoi. Il doit vous avoir aperçu par la fenêtre, il a essayé de sortir, revolver au poing, j'ai voulu l'en empêcher, puis il a tiré le premier. Alors moi j'ai riposté, quoi. Eh bien, vous ne l'avez pas manqué. Deux balles en plein cœur. Il n'a pas eu le temps de faire ouf. Ouais, mais j'étais en état de légitime défense. Il n'y aura aucune contestation, je suis là pour. Mais, madame, qu'avez-vous? Excusez-moi, la tête me tourne. Ah oui, oh, c'est pas votre place ici. Bon, ben, ramène-la donc dans sa chambre, Pierre. Oui, mon chéri, viens, Georgette, viens. Oui. Ouais. Avec toutes ces émotions qu'elle a eues, la pauvre. Cet après-midi, quand vous êtes venu, Fred l'avait gardé comme otage dans sa chambre. Ah, voilà pourquoi. Il m'avait paru bizarre, votre ami. Eh oui. Je comprends qu'il n'ait rien dit, il était pressé de me voir partir. Bah, mettez-vous à sa place. C'était quand même une belle crapule. Non, je parle de celui-là. Dommage que vous l'ayez tué. Personne ne saura jamais s'il a eu des complices. Non. Non, personne. D'ailleurs, entre nous, si vous saviez ce qu'on s'en balance, Pierre et moi...